Une belle mer aujourd'hui mouvementée, vous le voyez ici, en direct de Miami, Floride, où je passe une partie de l'hiver. Bonjour à tous, les amis. Franck Nicolas, fondateur de Globe et du programme de coaching Starter. C'est ici avec cette belle mer, j'espère que vous m'entendez bien, que nous amorçons ce nouveau live aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu faire ce live. Tout simplement parce que j'ai déposé un sondage sur ma page Instagram où je demandais à toute ma communauté finalement quels étaient les grands défis de l'année 2020. Quels sont vos grands défis pour l'année 2020? Vous savez que ça fait 25 ans que j'accompagne des leaders, des entrepreneurs, notamment des small business, des petites entreprises, pour développer leur carrière, leurs affaires, leur vente, leur marketing, leur état d'esprit. Et tout passe, selon moi, par la psychologie à 80%, cette capacité de mieux sentir, de mieux s'aimer, d'avoir une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi, prendre des décisions matures, claires, sortir du brouillard, augmenter son niveau de bonheur. Et tout ça permet ensuite d'avoir une meilleure carrière et peut-être d'avoir, et c'est certain, d'avoir une très belle entreprise et de créer des emplois à droite et à gauche et de prospérer, de grandir et d'être heureux dans sa vie, dans sa passion. Gagner de l'argent en faisant ce que l'on aime, c'est chouette parce qu'on rentre chez soi et on est bien et on est épanoui avec ses proches, sa moitié et ses enfants. Les amis, soyez les bienvenus. On est ici en direct de Miami. Hervé, bonjour. Bonsoir, bonsoir à tous. Avec une mer d'une couleur juste magnifique. Vous le voyez, c'est un joli vert avec un dégradé un petit peu plus sur le haut. C'est juste incroyable de voir à quel point Dame Nature nous fait même de magnifiques nuages ici à Miami. Quels sont vos défis pour cette année? Philippe Saint-Onge, je me dis, si moi, c'est d'arrêter l'alcool et le sucre. Les amis, quels sont vos défis pour cette année 2020? On en a parlé. Merci d'avoir répondu au sondage sur ma page Instagram. Une nouvelle fois, si vous ne me suivez pas sur Instagram, rejoignez-moi sur ma page Instagram. C'est Franck Nicolas officiel. Allez, je vais rentrer parce que peut-être que ce sera plus simple pour moi de venir discuter avec vous aujourd'hui. On va parler d'argent, si vous le voulez bien, aujourd'hui dans ce live. J'espère que le son est bon. Dites-moi si vous m'entendez. Bon, on est en direct en ce moment, donc j'aimerais être vraiment sûr que tout le monde m'entend bien. Faites-moi voir. Hop. Voilà. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je ne sais pas ce que j'ai fait avec mon truc. Voilà, ça y est. Ah. J'avais coincé mon fil. Alors, c'est embêtant si tu coinces ton fil, ça va pas fonctionner si tu as ton fil comme ça. Est-ce que tout le monde m'entend bien maintenant? C'est chouette. Quels sont vos projets pour cette nouvelle année, pour 2020? Je vous le disais, j'en parlais sur ma page Instagram et je leur demandais, mais quels sont vos priorités? Même mieux, ce que j'ai demandé sur ma page Instagram, c'est quel est votre défi pour 2020? Alors, notez-moi ci-dessous parce que je crois que finalement, vous allez avoir les mêmes éléments. Qu'est-ce que vous avez comme défi pour l'année 2020? Dites-moi, pour l'année 2020, quels seraient vos défis pour l'année 2020? Quelles sont vos priorités pour cette année 2020? C'est ça qui est intéressant. Le défi numéro 1. Alors, je n'ai pas dit la priorité. Voyons si le défi numéro 1, ce serait, par exemple, est-ce que c'est affaires, carrière, argent, finance, santé, vitalité, relations, couple? C'est quoi vos priorités cette année? Vos défis? C'est quoi le défi? Vous dites, bon, j'ai un défi cette année en 2020, voici mon défi, d'accord? Notez-moi dans les commentaires, très bien, Audrey, c'est parfait. Quels sont vos défis? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que ce sont les relations? Est-ce que c'est votre carrière? Quel est le problème? Dites-moi, selon vous, cette année, quel est le problème? Quel est le défi principal que vous avez cette année pour développer votre carrière, vos affaires, votre santé, vos relations, votre vie? Comment vous voyez les choses cette année? Quel est le gros projet que vous avez en tête, le gros défi pour cette année? Alors, Evelyne me dit, c'est les voyages en couple. Véronique, c'est les relations. Jason, c'est le livre, donc c'est la carrière. Les finances, Ayat. Pour 2020, c'est de me réaliser. Oui, merci. Mais donnez-moi une thématique qui est une priorité pour vous en 2020. Quelle est votre thématique cette année?
Et dites-moi ce que vous en pensez. Isabelle, bonjour. La santé, l'amour, donc les relations. Stéphane va me dire l'argent, donc les finances, l'entreprise, donc c'est la carrière à faire. Je comprends très bien, à faire carrière. Augmenter mon chiffre d'affaires de 50%. Et j'ouvre mon deuxième cabinet de soins énergétiques. Alors Ingrid, viens à Business 110 le Bootcamp. Business 110 le Bootcamp. Business 110 le Bootcamp. Tu vas sur Business 110 le Bootcamp ou alors sur mon site internet. Tu vas sur globe.cc, globe.cc événement, globe.cc événement Ingrid. Et tu peux t'inscrire à Business 110 le Bootcamp. Je viens en juin à Paris. C'est un séminaire que pour les entrepreneurs et pour te permettre d'augmenter justement ton chiffre d'affaires. Que pour les entrepreneurs, vente, marketing et stratégie. Relations de couple, santé, boulot, parfait, c'est génial pour tout ça. Mon défi de faire décoller mon entreprise, Jess, Noël, encore pour toi. Vous êtes beaucoup d'entrepreneurs décidément aujourd'hui en ligne avec moi. Venez me rejoindre à Business 110, le Bootcamp. C'est un séminaire de 3 jours qui va se tenir en juin à Paris. Uniquement pour les entrepreneurs, vente, marketing, développement d'affaires. Vente, marketing, développement d'affaires. C'est uniquement ça pendant 3 jours en petit comité entre vous et moi. Et vous allez augmenter votre chiffre d'affaires de 30 à 150% en moins de 24 mois avec cette formation. Bon, très bien. Je vois exactement, beaucoup d'entre vous me parlez finalement de relations, de santé. C'est important pour vous. La carrière aussi, me former, ma carrière, vous me dites. Mes sources de revenus, l'argent, Diane, l'argent et la santé, me dit Gracia. Vous êtes nombreux à me donner énormément de feedback sur vos priorités en ce moment, les relations et l'amour. Aujourd'hui, alors j'aimerais faire un coup de projecteur avec vous, très simple, sur cette capacité d'avoir un meilleur état d'esprit, une meilleure perception de l'argent. Mais j'ai pas envie de faire, je crois que j'ai fait un Facebook Live de plus d'une heure hier ou avant-hier. Je vais faire beaucoup plus court aujourd'hui. Alors on s'est dit bonjour, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, je vous ai demandé quels étaient votre gros défi, votre gros éléphant à manger cette année. Et maintenant, j'aimerais vous donner 4 clés rapidement. Et celles et ceux qui veulent aller plus loin après ce live, venez me rejoindre dans une conférence qui est en ligne. Vous êtes maintenant 60 000 à l'avoir vue. Ça s'appelle « La plus riche des années », 7 étape de multimillionnaire pour vivre l'année 2020 et réussir. C'est une formation gratuite, c'est un extrait du programme de coaching Starter. Cette formation, elle est en ligne encore pour quelques jours, profitez-en. Et vous êtes 60 000 à l'avoir vue. Et après cette formation, vous aurez un extrait donc de ce programme de coaching et ça s'appelle Starter. Le programme Starter, c'est 5 semaines pour réussir votre année. Tu veux réussir ton année, viens dans le programme Starter. C'est 5 semaines où je suis ton coach, ton mentor et je t'aide à développer ton business, ta carrière et tes affaires et ta santé pour les 12 prochains mois. Un mois avec moi et pour réussir les 12 prochains mois. Donc prenez vraiment cet instant pour venir et investissez en vous du temps, de l'effort et de l'argent cette année pour vous former. Vous devez vous former. Je fais le maximum pour vous former gratuitement dans les médias sociaux avec des petites capsules rapides, mais vous avez besoin d'une méthode plus précise, vous avez besoin d'une méthode beaucoup plus complète. Et laissez-moi l'occasion de passer pas une demi-heure, une heure avec vous, mais 5 semaines avec vous et c'est en ligne. Allez sur programmestarter.com, programmestarter.com, tout attaché, T-E-R à la fin, programmestarter.com et vite, venez me rejoindre dans ce programme de coaching de 5 semaines. Vous allez adorer, je vous le garantis. Donc, je vous le disais aujourd'hui, j'ai envie de parler d'argent avec vous. La première des choses, vous devez comprendre, et notamment les auto-entrepreneurs vont être très intéressés par ce que je vais dire aujourd'hui, parce que quand on est auto-entrepreneur, nos résultats, nos résultats financiers notamment, on va pas les attribuer à d'autres personnes. Un auto-entrepreneur, quand il développe lui-même son chiffre d'affaires, ou un vendeur ou un auto-entrepreneur responsable, va pas dire c'est la faute de la société, c'est la faute de mon président ou de mon patron. Vous êtes vous-même votre patron. Donc si vous ne gagnez pas suffisamment d'argent aujourd'hui, c'est pour vous occuper de votre santé. Si vous ne gagnez pas suffisamment d'argent pour prendre des vacances et écrire votre livre. Si vous ne gagnez pas suffisamment d'argent pour offrir une meilleure maison de retraite à vos parents ou prendre soin de vos enfants avec les meilleurs médecins ou des écoles privées. Si vous ne gagnez pas suffisamment d'argent, c'est tout d'abord parce que votre tête est vide. Plus précisément, elle est vide de bonnes informations. Plus précisément, elle est pleine de mauvaises informations.
Dans votre esprit, il y a de fausses informations. Et c'est ça qui vous porte préjudice. Ce sont les fausses informations, les mauvaises informations. Dans votre mental, c'est ça qui vous porte préjudice. Et vous allez me dire, mais non, Franck, pas du tout. L'argent, je sais très bien ce que c'est, l'argent. Et l'argent, c'est... Et vous allez me dire ce que c'est que l'argent pour vous. Que pensez-vous des gens qui ont beaucoup d'argent? Que pensez-vous des gens qui parlent d'argent? Que pensez-vous des gens qui ont plus d'argent que vous? Que pensez-vous des gens... Et là, on commence à avoir des langues qui se délient. Et ça va très vite. Et là, on entend les croyances de chacun. Vous voyez? Donc aujourd'hui, dans ce nouveau live, très rapidement, ne m'en voulez pas, je veux aller très vite, je veux vous sensibiliser à cet argent. Parce que l'argent est un outil. Certains vont dire c'est de l'énergie, d'autres vont dire c'est maudit, mais c'est un outil l'argent. Il est ni bien ni malsain, ni bien ni malsain. C'est un outil. L'argent c'est comme une cuillère. Tu donnes à manger avec une cuillère à un enfant ou tu peux faire mal à un enfant. La cuillère est une fourchette. Tu donnes à manger à ton enfant ou tu peux lui crever un œil. C'est un outil l'argent. Et voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, vous me dites « je veux gagner plus d'argent, mais j'ai honte. Je ne veux pas en parler à droite et à gauche, j'ai peur d'être critiqué. Non, je préfère pas, j'ai peur qu'on me juge. » Le problème, c'est que sans argent, vous n'avez pas de choix. Et l'argent, ça sert à ça. L'argent n'apporte pas le bonheur. Celles et ceux à qui j'ai permis de gagner dans nos formations leur premier million d'euros ou de dollars savent et vérifient maintenant que le premier million de dollars vous rend plus soucieux et angoissé que 100 millions de dollars ou 100 millions d'euros. Pourquoi? Parce que quand tu gagnes un million d'euros, quand tu gagnes un million de dollars, alors je ne sais pas si vous allez voir ce que je vais écrire ici. Je vais voir si je peux l'écrire devant vous. Mais regardez. Quand vous gagnez un million, alors ça va être à l'envers. Je crois que Facebook ne me permet pas de mettre, d'inverser mon écran. Non, il ne permet pas. Ok. Donc, regardez bien, ce sera à l'envers. Vous gagnez un million. Alors, allons-y. On va écrire en noir. Peut-être que vous allez mieux voir. Allez en noir. Un million. Poum. 1, 2, 3. Poum. 1, 2, 3. Ça, c'est un million. Alors désolé, vous devez le voir théoriquement sur Facebook à l'envers, mais je ne sais pas comment le mettre à l'endroit sur Facebook. Sur le 1 million, l'État va vous remettre combien à votre avis? Bah, selon les taux d'imposition dans les pays, l'État va vous donner 450. Donc si vous gagnez 1 million à l'année, 1 million par mois, je sais que j'ai eu l'un de mes étudiants il y a 4 jours de cela. Il était étudiant et aujourd'hui, il gagne 100 000 par mois. Et c'était lors d'un Instagram et celles et ceux qui ont assisté à cette entrevue non prévue et ce témoignage non prévu et non demandé, vous savez que c'est vrai et vous pourrez en témoigner. Donc, c'est un jeune, il était étudiant et il gagne maintenant 100 000 par mois. Donc, ça fait, il gagne évidemment un petit peu plus d'un million par an, 1,2 exactement. Lorsque vous gagnez un million, grosso modo, dans la France et la Belgique, c'est un petit peu la même chose. Le Luxembourg, c'est très proche aussi, un système social. La Suisse, vous avez selon les cantons, notamment un canton allemand, vous payez 9% sur vos bénéfices pour les entreprises. Mais parlons de monsieur, madame, tout le monde. Grosso modo, l'État va vous imposer, alors je vais mettre ici, on va mettre le bon chiffre. Grosso modo, l'État va garder, alors ça dépend des pays, mais à peu près 55%. D'accord? Donc, lorsque vous gagnez votre premier million, si vous n'avez pas la bonne psychologie dont on parle justement dans le programme Starter, parce que tout commence par votre psychologie, et je vais vous donner un extrait aujourd'hui. Mais écoutez-moi bien, c'est ce en quoi la psychologie est très importante. Quand on gagne son premier million d'euros de dollars, notre niveau de stress est multiplié par 2. Le niveau de stress est multiplié par 2. Le niveau de stress est multiplié par 2. Par 2. Pourquoi, à votre avis? Notez-moi dans les commentaires, pour quelle raison est-ce que mon stress augmenterait et serait multiplié par 2, selon les études, alors que je viens de gagner 1 million?
de dirhams, d'euros, de copecs, de dollars, peu importe. Explique-moi dans les commentaires pour quelles raisons est-ce que mon stress augmenterait et passerait à deux fois plus important le mois qui suit où je viens de savoir, je viens de prendre connaissance que je gagne 1 million. Pour quelles raisons je serais beaucoup plus stressé de savoir que je gagne 1 million. Expliquez-moi pourquoi. Explique. Et c'est la première fois que je gagne ce premier million, d'accord? Le million, le million. Mais sauf que moi, je suis coach depuis des années et je rends réel ce qui paraît complètement fou pour la plupart des gens. C'est-à-dire que ce million-là, ça doit vous paraître, la plupart d'entre vous, ça doit vous faire rire parce que le salaire moyen au Canada, il y a 40% des Canadiens qui gagnent moins de 30 000 dollars par an. 40% des Canadiens gagnent moins de 30 000 dollars par an de salaire brut. Alors, je ne sais pas dans quel pays vous êtes. Là, je suis à Miami, aux États-Unis. On vous vend les États-Unis comme étant le lieu des opportunités. Oui, mais la plupart des Américains rament, n'y arrivent pas, ne payent pas ses factures. Je ne vous parle même pas de l'endettement des jeunes Américains qui doivent s'endetter pour une école hors de prix. Et la santé est hors de prix. Donc, sans rentrer dans les considérations, c'est mieux dans un pays que dans l'autre, voyons un petit peu pourquoi. Alors, il y a Sabrina qui me dit la peur de perdre l'argent. Eh bien, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est que il y a la peur de perdre l'argent et la peur de ne jamais pouvoir donner vie à plus d'argent. En clair, vous avez peur de ne plus avoir ce million. Et vous avez peur, écoutez-moi bien, et vous avez peur de ne pas savoir comment reproduire ce million. Parce que si vous gagnez, comme la plupart des gens, entre 30 et 40 ou 50 000 par an, la plupart des gens gagnent ce salaire-là, eh bien, vous n'êtes pas autant imposé. Mais quand tu gagnes 100 000 de salaire, notamment au Canada, on te prend 50%. Et quand tu gagnes plus, on te prend 55%. Il y a beaucoup de Français qui pensent qu'au Canada, c'est moins imposé. Pour les particuliers, c'est pas vrai. En Belgique, c'est pas vrai. Vous avez des lieux dans le monde pour les entreprises. On peut défiscaliser comme Facebook, Amazon ou d'autres entreprises moins connues qui vont à Dublin, en Irlande. L'Irlande, c'est le paradis fiscal pour les entreprises où on est moins imposé pour embaucher des salariés. On est moins imposé. Mais sinon, regardez bien, l'imposition personnelle aux États-Unis est moins favorable qu'au Canada. Et les États-Unis vous laissent à penser que c'est un paradis extraordinaire. Pas du tout. Big Brother vous prend beaucoup d'argent à titre personnel. C'est mieux pour les entreprises par rapport à la France. Mais à titre personnel, les États-Unis, c'est plus imposé que le Canada. Donc, sans rentrer sur les paradis fiscaux, sur les montages, sur les entreprises. On va voir ça en juin prochain. On va parler uniquement entre entrepreneurs. Mais là, j'ai beaucoup de gens qui sont issus du grand public avec moi. Donc, on va rester grand public et parce que je veux vous aider aujourd'hui. Mais vous comprenez que quand vous allez gagner votre premier million, l'État va vous en prendre et c'est très bien. Et c'est très bien. 55%. Comment reproduire ce million? C'est ça que je vais vous expliquer lors de Business 110, le bootcamp en juin, que pour les entrepreneurs. Vous allez multiplier de 30 à 150% votre chiffre d'affaires en moins de 24 mois et c'est garanti. Mais pour le grand public, regardez bien, arrêtez de fantasmer. Si j'avais 1 million, si je gagnais 1 million, si je gagnais 1 million. Mais les amis, si tu gagnais 1 million, mais attendez, réveillez-vous. L'État, et heureusement, je vous le disais, pourquoi? Parce que c'est avec ça qu'on paye les écoles. C'est avec ça qu'on paye les hôpitaux de nos mamans qui prennent de l'âge ou de nos enfants handicapés ou malades. C'est avec ça qu'on paye notre société. 80% de la route qui est devant chez toi, 80% de l'hôpital qui est en face de chez toi ou pas loin de chez toi, a été payé par quelqu'un qui gagne plus de 100 000 à l'année. 80% des services publics sont payés par des gens grâce aux impôts payés par les gens qui gagnent plus de 100 000 à l'année. Donc vous comprenez pourquoi je vous engage à gagner de l'argent? Parce que ça aide un pays à gagner de l'argent. Être pauvre, ça n'aide personne, bien au contraire. Un pays a besoin de gens riches pour participer à payer nos écoles. L'école, les professeurs de l'éducation nationale de ton pays, si l'école est gratuite, pas comme ici aux États-Unis, eh bien 80% des professeurs sont payés par des gens qui gagnent plus de 100 000 à l'année. Vous le saviez ça? Payer de l'impôt, c'est contribuer. Et quand tu es un employé sans être entrepreneur et que tu te fais payer au black sans déclarer, bah, tu participes pas aux écoles non plus. Oui, mais il y a des grands qui gagnent plus que moi, mais moi, c'est pas bien grave, c'est 100, c'est 1 000 par mois, je les déclare pas. Pas du tout.
déclarer votre argent, participer à la société et augmenter vos revenus. Gagner de l'argent et participer plus. Gagner de l'argent et contribuer plus. Et ne faites pas de black, ne faites pas de noir. Déclarez votre argent. Ouais, mais moi je suis gagnant, il y a des gens multimillionnaires, et moi on m'a fait ça. Et c'est insupportable, vous ne participez pas à la société. Donc d'un côté, vous comprenez mon état d'esprit, on est là pour aider les autres, pour contribuer. Je fais cette formation avec des gens qui ne m'ont pas payé en ce moment, vous ne m'avez rien payé. Ça s'appelle la contribution, ça veut dire avoir du sens dans sa vie, ça veut dire se rendre utile pour les autres. Mais d'un autre côté, vous avez besoin d'augmenter vos revenus. Faites tout pour augmenter vos revenus. Vous comprenez? Donc oui, on participe. Mais augmentez vos revenus. Et vous allez me détester, mais la plupart des gens qui vous disent l'argent n'est pas important vont faire du black, vont rien déclarer, très peu, vont juger les gens riches et vont dire finalement l'argent n'est pas utile. Ils vont détester les gens riches, détester les gens qui ont plus d'argent, ils vont faire du black et ils vont protester qu'on les aide pas suffisamment, qu'il n'est pas assez suffisamment d'aide. Ils vont dire c'est l'État qui est la raison de ma tristesse, c'est l'État qui est la cause de ma pauvreté, c'est à cause de l'État, de mon premier ministre, de mon président, de mon maire, de mon voisin, si je ne gagne pas assez d'argent. Mensonge. Si vous ne gagnez pas assez d'argent, dans 99% des cas, c'est parce que vous n'avez pas les bonnes informations dans la tête. Vous n'avez pas les bonnes informations. La première des choses, alors, je vais vous parler évidemment dans un instant, donc le comment faire, je vais vous dire la première des choses qu'il faut faire. La première des choses pour gagner de l'argent, la première des choses, c'est votre tête. Et ça va vous étonner, mais 80% pour gagner de l'argent, c'est votre psychologie. C'est de la psychologie. Si vous continuez à ne pas vous former, à ne pas vous enrichir, à rejeter les gens riches, à rejeter des gens qui ont plus que vous, à les jalouser au lieu de les imiter, de les modéliser, d'en être inspiré, si vous n'êtes entouré que de gens qui voient mal l'argent, c'est ce que j'appelle la psychologie. Et vous ne pourrez rien faire avec une mauvaise psychologie. Donc comment faire ? Travaillez votre psychologie, changez votre psychologie, enrichissez votre psychologie et vos connaissances. Et 20%, c'est de la mécanique, c'est de la stratégie. 80%, c'est de la psychologie et 20%, c'est de la stratégie. Comment augmenter ses revenus? 80% de psychologie et 20% de stratégie. Et la stratégie, c'est... tu dois investir en bourse de cette façon-là. La stratégie, c'est tu peux acheter un appartement ou une maison à 110% avec un prêt bancaire de cette façon-là. La stratégie, c'est avoir un meilleur salaire en ayant ces compétences-là supérieures de cette façon-là. C'est ça le comment. Mais le 80%, c'est le plus important pour augmenter vos revenus cette année. Et vous devez augmenter vos revenus cette année, vous comprenez? Et dans la stratégie ici, ça, on en parle lors de Business 110, le bootcamp, en juin prochain. On en parle, il y a un programme en ligne chez Globe qui s'appelle Finance Libre. Allez prendre Finance Libre, c'est 8 heures de formation, vous aurez le comment. Mais ça, c'est le 20%. Vous mettez, si vous donnez, soyez honnête avec moi, si je donne 1 million d'euros ou de dollars à un mendiant dans la rue qui a toujours été pauvre financièrement toute sa vie, est-ce que vous pensez réellement qu'il va être capable de garder cet argent et même mieux de le faire fructifier? Dites-moi ce que vous en pensez. Si je donne cet argent à une personne qui n'a pas de culture financière, qui n'a pas la bonne psychologie, est-ce qu'elle va être capable de garder cet argent et de faire fructifier cet argent? Soyez honnête avec moi. Soyez honnête. Et vous me dites non en ce moment. Bravo. Pourquoi? Parce que c'est la psychologie. Donc, pour travailler votre psychologie, il vous faut... Alors, je vais vous donner quelques éléments. Surtout, c'est voir la personne que vous êtes différemment. Vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes nul, bon à rien, qu'il n'y a pas d'argent, que ce n'est pas fait pour vous, que même si j'apprends cette technique, même si je me forme, ça ne servira à rien puisque ce n'est pas fait pour moi. Il n'y a pas d'argent dans la société. Les gens qui sont riches sont des gens méchants, sont des gens fraudeurs, sont des gens malhonnêtes. En plus, les gens riches sont pas généreux.
Les gens qui sont riches ne partagent pas leur savoir, n'ont pas un grand cœur. Non, même mieux, les gens qui sont riches ne sont pas en bonne santé. Les gens qui sont riches n'ont pas de vrais amis. Enfin, pourquoi j'aurais de l'argent? Non, je veux pas avoir ces problèmes avec tous ces gens-là. Et moi, j'ai un grand cœur, je veux garder mon cœur, j'ai pas envie d'avoir de l'argent. Les perceptions, la façon dont vous vous percevez vous-même et la façon dont vous percevez le monde. Le comment, c'est toute la mécanique, les rouages, les effets de levier, le pouvoir des intérêts composés, etc. Mais c'est 20%, les amis. C'est que 20%. Le plus compliqué, c'est de travailler votre psychologie, ce que vous avez dans la tête. À votre avis, aujourd'hui, moi, j'ai gagné mon premier million de dollars, j'avais 28 ans. Si j'avais eu un gars comme moi qui faisait des formations, comme je les propose en ligne en ce moment, notamment le programme Starter, allez le voir, eh bien, j'aurais gagné mon million de dollars bien avant. Parce que je n'avais pas la psychologie la plus adaptée. Comment est-ce que, une partie de l'année, j'arrive à venir ici, en Floride, je suis propriétaire de 4 entreprises. J'ai 2 adolescents qui sont juste en face de moi ici. Je suis marié avec la même femme depuis 19 ans, on est ensemble depuis 21 ans. J'ai des employés, je crée des emplois et je passe 500 heures de mon année à offrir et à conseiller des gens et à faire des vidéos et des émissions de télé et radio. C'est-à-dire que je redonne au grand public, à des gens qui ne me connaissent même pas, hein, je redonne 500 heures de mon temps chaque année. Mais combien de temps tu as redonné la semaine dernière pour aider un petit jeune de quartier? Combien de temps tu as redonné pour aider une personne âgée seule? T'as donné 1 heure la semaine dernière? T'as donné 30 minutes? La plupart des gens ne s'occupent pas des autres. La plupart des gens ne sont pas généreux. Pourquoi? C'est l'état d'esprit. Parce qu'ils vivent dans un monde de contraction, de peur. Ils vivent dans un monde où ils n'ont pas la bonne psychologie. Quand tu vis dans un monde d'abondance dans la tête, de bonne psychologie, tout change, absolument tout change. Et le plus compliqué, c'est de gagner votre premier 100 000, votre premier million. Et le plus compliqué, c'est de garder votre premier million et de le faire fructifier. Les gens qui vont vous dire le plus compliqué, c'est de gagner son premier million, ne savent pas ce qui les attend lorsqu'ils vont gagner leur premier million pour le garder et le faire fructifier et gérer la psychologie. Donc, c'est votre psychologie qui va tout changer. La générosité. En parlant de générosité, on va faire un test en ce moment. Combien de gens sont en train de partager sur la page YouTube ou Facebook ou Instagram le live et la formation que je vous donne gratuitement aujourd'hui? Combien de gens en ce moment en direct ou en rediffusion redonnent gratuitement ce contenu à d'autres en transférant cette vidéo sur votre page Facebook ou YouTube? Il y a très peu d'entre vous qui pensez à ça. Pourquoi? Vous vivez dans un esprit, et je ne vous critique pas, hein, parce que vous vivez dans un esprit de contraction, de peur, d'insécurité. Et c'est la psychologie, ça, aujourd'hui. Vous comprenez? Rien que de partager ce Facebook Live ou ce YouTube Live à d'autres gratuitement, ce que je vous donne gratuitement, la plupart d'entre vous, ce n'est pas parce que vous êtes méchant, c'est parce que vous n'y pensez pas. C'est parce que le partage ne fait pas partie de votre vie, pas parce que vous n'êtes pas généreux ou gentil à la base. Tous les êtres humains sont super à la base. C'est parce que vous êtes dans la peur. Qu'est-ce que je vais devenir demain? Quand est-ce que je vais trouver l'homme ou la femme de ma vie? Quand est-ce que je vais pouvoir, comment je vais pouvoir payer mes factures et mes impôts et mes vacances? Où est-ce que je serai dans un an? Pourquoi est-ce que je suis aussi moche, aussi stupide, aussi ridicule? Pourquoi est-ce que je suis moins bien que les autres? Pourquoi est-ce que je suis plus stupide que les autres? Vous êtes dans la peur en permanence. Et voilà pourquoi vous êtes en général peu dans le partage et avec la mauvaise psychologie. Et c'est pas de la méchanceté. C'est parce que la première des choses que je voulais vous dire, c'est que vous devez travailler votre psychologie si vous voulez réussir cette année. Si vous gagnez entre 20 et 30 000 par an, ce que je suis en train de vous dire va vous faire vomir parce que vous devez vous dire, ce gars-là, il n'est pas vraiment au soleil, ou alors c'est un fils de riche, ou c'est pas un gars généreux, il fait semblant d'avoir de l'argent, il fait semblant d'être généreux, il fait semblant d'être en forme, et il fait semblant d'être existant. Et donc, les gens qui ne me connaissent pas vont encore retomber dans ce cycle d'autodéfense.
Mais je ne suis pas là pour vous attaquer. Je suis là pour vous mettre à disposition des informations que moi, je n'avais pas dans mon quartier à l'époque de la Grange d'Aurel à Avignon, dans le sud de la France, quand je me suis retrouvé dans une situation où mes parents n'avaient rien. Et aujourd'hui, bien sûr que je ne suis pas un blogueur amateur, c'est mon métier. Le coaching à l'international, c'est mon métier. J'ai une entreprise de coaching et de formation parce que c'est le coaching et la formation qui m'ont sauvé la vie. Et naturellement, j'ai créé une entreprise de coaching et de formation pour redonner à d'autres. En fait, de leur donner ce qui m'a permis à moi de m'en sortir. De redonner ce qui m'a sauvé la vie. Et ce qui m'a sauvé la vie, c'est d'abord de travailler ma psychologie. Vous comprenez? Vous me suivez ou pas? Je sais que ça doit vous choquer un petit peu tout ça, mais ne croyez pas que la psychologie n'est pas importante pour gagner de l'argent cette année. Parce que tout part de votre, ce que vous appelez les Français, de votre mindset. Vous aimez bien les mots anglais, je sais. Et tout part de... Je vous donne un exemple de partage. Cela faisait... ça fait à peu près 18 ans que j'organise mes journées de façon très très précise. J'organise mes journées avec un mode opérationnel qui est un peu particulier, qui n'est pas comme monsieur, madame, tout le monde. Par exemple, quand je rentre dans une réunion, je pose mon portable, mon téléphone sur la table avec un chronomètre de 15 minutes, 30 minutes ou 45 minutes. Et je ne déroge jamais. Et je gère toujours mes réunions avec un protocole bien précis. Et je dis à l'invité que j'ai en face, on a 15 minutes, go. Et on sait pourquoi. Donc, tout mon quotidien est organisé. Et les gens me disent, waouh, c'est génial. Ou alors, ça me choque. Ou alors, mais comment tu fais? Ben, vous savez ce que j'ai fait? Il y a un peu moins d'un an, j'ai dévoilé ma méthode pour gérer mes journées. Et on en a fait un agenda. Ça s'appelle l'agenda 110. Écoute, à environ 40 balles. Et t'en as pour 2 mois, c'est-à-dire 90 centimes par jour ou 75 centimes par jour. Et il dure 2 mois. Et c'est ma méthode de coaching, le matin, le midi et le soir. Mes valeurs, mes règles de vie, mes rituels, comment je gère les priorités, mes priorités, comment je gère les urgences des autres, la toxicité des gens, comment je mesure mon moral toute l'année. Mais tout est dans cet agenda. Et je l'ai fait avec mon équipe. On l'a amélioré d'ailleurs, parce que ma méthode initiale était moins ludique. Et on l'a mis en vente. C'est ça le partage, les amis. Donc, ce que je vais vous dire, et on s'en fiche de ce que c'est, que ce soit avec l'agenda 110, que ce soit avec le magazine, ça coûte 10 balles en PDF. Mais je vais aider des gens. Ça, c'est 40 balles. Et ça, c'est gratuit. C'est 500 recettes pour réussir l'année 2020. 500 recettes, la rédaction de Franck Magazine a suivi 50 grands leaders que vous connaissez, Tom Hanks, Paulo Coelho, etc. Plein de gens à l'intérieur. Et on a détecté quelles étaient leurs 10 façons de réussir. Et vous allez sur mes pages, vous trouverez quelque part, téléchargez l'e-book gratuit en ce moment et vous le téléchargerez. C'est de la contribution. Mais comment je peux avoir... Il y a beaucoup de gens qui me disent « Franck, fais très attention ». Il y a beaucoup de gens qui te copient. Tu donnes trop de gratuité. Ou alors j'entends Franck. Est-ce que t'es vraiment, est-ce que c'est vraiment gratuit ou il y a une carte de crédit cachée sur ton compte Facebook? Et les gens ne peuvent pas croire que j'offre 500 heures à l'année. Mais vous aussi, vous pourrez les offrir. Vous pourrez contribuer même si à la base, vous n'êtes plus inquiet par l'argent. Vous comprenez? L'agenda 110 va vous aider et le programme Starter va vous aider. D'ailleurs, l'agenda 110 est offert dans le programme Starter, je voulais vous le dire, en membership platine. Mais c'est votre psychologie qui va faire la différence cette année. C'est vraiment ça. Et je vous le recommande. Vous devez travailler votre psychologie aujourd'hui en phase avec vos valeurs. Alors, où est-ce qu'on achète l'agenda 110? Oui, ben, j'ai pas prévu de revenir sur ces détails, mais vous allez sur agenda110.com. Mais une nouvelle fois, vous allez sur programmestarter.com, programmestarter.com, programmestarter, T-E-R à la fin.com, et vous aurez l'agenda gratuit en platine et un billet pour le Weekend Spark gratuit aussi dans le membership platine. Donc, que vous soyez salarié, papa, maman à la maison, que vous soyez entrepreneur, auto-entrepreneur, la première des choses que vous devez retenir, c'est la seule chose à retenir de ce live YouTube et Facebook, c'est travailler votre psychologie. Trouvez la façon de le faire, mais travaillez votre psychologie. Et c'est juste ça que je voulais vous dire dans ce live aujourd'hui. Et je vais vous donner 4 points d'éléments de réponse pour vous aider, très rapidement. Premier élément de réponse, le premier conseil que j'ai envie de vous donner, ça va? Est-ce que tout le monde a un papier et un crayon ou pas? Est-ce que vous avez un papier et un crayon? Ben non, c'est une formation, je ne vais pas me mettre à danser, c'est pas un truc. Sinon, il y aura 1 million de personnes si je me mettais nu, tu comprends?
Oui, parce que quand c'est pas de la formation, les gens restent, tu comprends? Oui, la formation, même quand c'est gratuit, ça demande un effort. Donc je préfère aller voir Netflix. Et après, ces gens qui mettent tout leur temps, leurs efforts dans le divertissement et leur argent, dans les appareils électroniques, les portables, les vêtements, vont te dire: j'ai pas de la chance. Regarde les riches. Il n'y a pas d'argent. J'y arriverai jamais. Oui, mais tu mets tout ton argent, ton temps et tes efforts dans des conneries. Donc le gros conseil que je vais vous donner aujourd'hui, vous allez me détester, je sais que vous allez me détester, mais allons-y, c'est le principe de ces Facebook Live et de ces YouTube Lives, vous allez me détester. Alors allons-y, regardez-moi bien, cette année, une nouvelle fois, désolé, ça va être à l'envers. Comment je pourrais faire pour que ce soit à l'endroit? Attendez, peut-être que je peux faire ça, bougez pas, je vais improviser. Regardez, ici, broup, je vais mettre ça comme ça ici, voilà, hop. Vous me voyez comme ça? Oui, voilà, parfait. Regarde, ici, je vais faire ça, voilà. Regardez, alléluia! Voilà, super. Ici, pouf, parfait. Tout le monde voit bien l'endroit. Cette année, faites en sorte de mettre beaucoup plus. Alors peut-être que je peux le faire comme ça. Regardez. Ouh, on va improviser, les gars. On aime l'improvisation. Voilà. Ah ben, on va faire ça. Tiens, je vais pas m'embêter directement, je vais faire ça. Regardez bien cette année. Le premier des conseils que j'ai à vous donner. Alors, vous n'allez pas m'aimer, vous n'allez pas m'aimer. Mettez 80% de temps en plus, mettez 80% de temps en plus cette année. Mettez beaucoup plus d'énergie cette année. Mettez beaucoup plus de temps cette année. Et mettez beaucoup plus d'argent cette année dans votre psychologie. Attendez, je vais écrire correctement, je ne vais pas écrire comme un cochon. Voilà. Cette année, si vous voulez réussir l'année avec brio, l'année 2020, et pas revivre les mêmes galères qu'en 2019, mettez 80% de temps en plus, pas 80% de tout votre temps, mettez 80% de temps en plus d'énergie, de temps et d'argent dans votre psychologie. Parce que c'est votre psychologie qui va vous ramener de l'argent. Alors, pour prendre que deux devises, vous êtes dans plein de pays en ce moment, m'écoutez. Et puis, 30% de notre audience sur Facebook ou YouTube, vous êtes dans les pays africains. Donc, je sais pas, je connais pas toutes vos devises, mais mettez beaucoup plus de temps cette année dans votre psychologie. Tu ne peux pas avoir plus d'argent si tu ne mets pas d'argent, pas de temps et pas d'énergie. Regardez bien, pour gagner de l'argent, c'est de la psychologie, vous avez compris, hein, d'accord? Mais vous ne pouvez pas avoir gagné de l'argent si vous ne mettez pas plus de temps. Vous ne pouvez pas gagner plus d'argent si vous ne mettez pas plus d'efforts pour gagner de l'argent. Vous ne pouvez pas gagner de l'argent si vous n'investissez pas plus d'argent. Parce que l'argent, c'est comme le sport, comme l'énergie. Plus tu fais du sport, plus tu dépenses de l'énergie, plus tu gagnes de l'énergie. Plus tu investis de l'argent, plus tu gagnes de l'argent. Et le grand public, je ne devrais jamais faire ce type de formation, grand public, parce que 99% des gens ne peuvent pas comprendre ce que je suis en train de leur dire. C'est-à-dire que l'énergie, regardez, l'énergie, plus vous allez mettre de l'énergie, investir de l'énergie, et plus vous allez gagner de l'énergie. D'accord? Vous allez avoir de l'énergie en plus. Vous investissez de l'énergie, beaucoup plus, eh bien, vous augmentez considérablement plus votre énergie. Et c'est la même chose pour l'argent. Plus vous investissez, j'ai pas dit dépenser de l'argent, hein. Plus vous investissez de l'argent, plus vous investissez de l'argent, et plus vous gagnez de l'argent. J'ai dit investir, pas s'acheter une cinquième paire de chaussures, un sixième sac à main, une voiture hors de prix, un nouveau téléphone cellulaire à 1 500, 2 000, le téléphone. Je vous parle d'investir. Investir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui sort de votre portefeuille, des euros ou de l'argent, vous ramène de l'argent. Vous comprenez? Si je sors 1 euro de mon portefeuille ou 1 dollar, ça doit m'en ramener 10, par exemple. Vous comprenez? Et c'est pour ça que je vous dis, vous devez travailler cette année votre psychologie. C'est la psychologie qui fait toute la différence ici. C'est la psychologie qui fait la différence, les amis.
C'est ça qui va faire la différence cette année. C'est d'abord ces réflexes. Alors comment on fait, les mécanismes, etc. On a plein de formations qui vous apprennent ça en détail. Mais là, on est une nouvelle fois grand public. Et puis, vous aviez peut-être pas prévu de vous former aujourd'hui. Et la plupart, vous n'aimez pas vous former. Et surtout, la plupart d'entre vous, vous n'aimez pas mettre du temps, de l'argent et de l'énergie dans les formations. Vous ne voyez pas l'intérêt de vous former. Ça sert à rien pour vous. Si mon patron ne me forme pas, ça sert à rien. Je ne veux pas me former si mon patron ne me forme pas. Et c'est là où vous n'avez pas du tout compris le principe ou le jeu. Et c'est ça le jeu. C'est de comprendre que c'est la formation, les connaissances qui vont vous aider. Donc, mettez plus de temps, mettez plus d'énergie et d'efforts et d'argent dans la capacité de faire de l'acquisition de connaissances pour renforcer votre cerveau. Vous comprenez ? Votre psychologie. Et c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Renforcer votre psychologie. Alors, ça va, ça fait du sens pour vous ? Vous comprenez ? La plupart des gens qui m'écoutent en ce moment me détestent maintenant, c'est certain. Parce que vous réalisez que vous avez mis plus votre argent dans des domaines qui ne vous ramenaient pas d'argent. C'est-à-dire que ce n'est pas une question... Il y a très peu de millionnaires qui sont nés millionnaires, vous le comprenez ça ou pas ? Est-ce que vous réalisez, oui ou non, répondez-moi, qu'il y a très peu de milliardaires et de millionnaires qui sont nés milliardaires et millionnaires? La plupart des gens sont partis de zéro. Ce n'est pas une question d'intelligence. Ce n'est pas une question de politique, de pays, de religion, de sexe, d'âge, de poids, de couleur de peau. Vous pouvez vous réfugier derrière tout ça, si vous voulez, mais je ne pourrai rien faire pour vous. Alors qu'à partir du moment où vous cessez de vous rabaisser, vous cessez d'écouter les gens qui vous rabaissent et qui vous ont empêché de croire en vous, c'est gagné pour cette année. Vous comprenez ça? Donc quand je sors de l'argent de mon portefeuille, est-ce que ça me ramène de l'argent? C'est ça un investissement. Et si vous dites oui, ça va me ramener de l'argent, mettez plus de temps, plus d'énergie, plus d'efforts et plus d'argent dans ce qui va vous ramener de l'argent. J'achète le dernier iPhone. Est-ce que j'en ai vraiment besoin de dépenser 1500? Non? Ok, c'est une dépense. J'achète une voiture de fonction. Je suis peintre en bâtiment, j'ai besoin d'une voiture. Est-ce que c'est une dépense ou un investissement? Ben non, c'est un investissement. Parfait, j'investis. Vous comprenez? Donc, il y a quatre points qui sont très importants pour augmenter vos revenus cette année. Le premier des points, c'est vous devez être une éponge à argent. Et quand je dis une éponge à argent, c'est vous devez acquérir la psychologie de l'argent. Le programme Starter, durant lequel je vous coach pendant 5 semaines, vous permet de faire cela. Pendant 5 semaines dans ce programme starter.com, je vais vous former et être à vos côtés. Mais laissez-moi vous aider plus que dans un live. Je vous ai dit 500 heures à l'année, mais je ne peux pas faire plus. Vous avez besoin, au bout d'un moment, d'augmenter votre énergie, les efforts, le temps et un peu d'argent pour investir en vous. Et ce programme Starter, c'est 5 semaines pour vous préparer les 12 prochains mois. Mais laissez-moi le temps de vous aider dans une structure, dans un programme stratégique. Vous comprenez? Et si vous ne le faites pas avec moi, faites-le avec qui vous voulez. Mais vous avez besoin, dans un premier temps, de vous nourrir de tout ce qui est bonne psychologie liée à l'argent. En clair, de vous entourer de gens millionnaires ou d'écouter des gens millionnaires ou des gens qui sont... Mais des gens qui ont vos valeurs. Il y a beaucoup de gens qui sont multimillionnaires ou milliardaires et qui sont malheureux. Et vous ne voulez pas les suivre, ces gens-là. Vous avez des faux millionnaires. Et vous ne voulez pas les suivre, ces gens. Vous avez sur YouTube ou dans les médias sociaux beaucoup de gens qui se mettent dans des catastrophes financières, à s'acheter des fois même des voitures de luxe, et ils sont en rupture, juste pour faire croire qu'ils sont millionnaires. Vous ne voulez pas suivre ces gens-là. Donc, faites en sorte d'être attiré par des gens qui ont de belles valeurs et qui ont réussi et qui ont ce que vous voulez. Et moi, je vous partage pendant 5 semaines, je suis votre mentor et votre coach, pendant 5 semaines dans le programme Starter, je vous aide à paramétrer votre année. Et c'est l'une des façons de le faire. Donc numéro 1, faites en sorte d'être une éponge à argent. Numéro 1, soyez une éponge à argent. Premier conseil, soyez une éponge à argent. On va parler dans le programme Starter de votre psychologie. Dans Starter cette année, c'est la première fois, on offre un billet en Starter Platine, on offre un billet pour le premier séminaire francophone en leadership qui s'appelle le Weekend Spark. Ça, c'est la casquette officielle du Weekend Spark, du WES.
et dans le Weekend Spark pendant 3 jours, on te débarrasse de toutes tes peurs et tes croyances limitantes. Toutes. Et tu ressors, t'es libre comme l'air. Eh bien, cette année, c'est un cadeau que l'on fait, pas à des gens qui mettront jamais du temps et de l'effort dans une formation, mais des gens qui comprennent que la clé de la richesse intérieure, émotionnelle et financière, c'est de se former. Eh bien, une bonne nouvelle pour vous cette année, on ne l'a pas fait l'an dernier, on ne l'a jamais fait, on offre un billet pour une personne, pour 3 jours, d'une valeur de 2 000 euros, 2 000 $ pour accéder à cette formation. En Starter Platine cette année, en plus de la formation pour réussir votre année, vous avez en platine un billet pour une personne pour 3 jours d'une valeur de 2 000 euros, 2 000 $ offert. Les gens qui ont fait Starter l'an dernier refont Starter cette année juste pour avoir le billet gratuit. En Starter Platine. Starter Platine. Mais, et ça, c'est de la psychologie. Donc, ça, c'est la première des choses. Soyez une éponge à argent. Mais. Je ne sais pas si vous me sentez assez passionné quand je parle. Et si vous sentez à quel point c'est le coaching qui m'a sauvé la vie, les livres, les connaissances. J'étais pas ce petit Franck Nicolas à l'âge de 13 ans. J'ai choisi ce mec. Je l'ai façonné, ce mec. Et aujourd'hui, le gars que je suis, 32 ans, sans les taxes, je suis fier de qui je suis devenu. Parce que je fais un travail qui aide les gens. Et en plus, je redonne beaucoup de mon temps. Ça fait tout le sens dans ma vie. Et j'apprends aux autres ce qui m'a, moi, sauvé la vie. Et si vous ne me connaissez pas, n'écoutez pas ce passage. Si vous ne me connaissez pas, fermez les oreilles. Mais nous accompagnons chaque année des dizaines de milliers de personnes dans le monde. Pas des centaines, mais des dizaines de milliers. À la tournée 110 à Paris, on était 7 000 dans la salle. Ils arrivaient de 50 pays. Si vous avez fait la tournée 110 à Paris, vous pouvez témoigner que ce n'est pas une supercherie ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Les conseils qui m'ont sauvé la vie marchent pour vous aussi. Alors, et je fais le maximum pour mettre beaucoup d'énergie, de passion pour vous dire à quel point c'est important ces conseils. Parce qu'on les apprend pas à l'école, malheureusement. Et ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, mais je ferai plaisir à trop de Français qui s'appuient trop sur la sécurité sociale, en clair, trop sur le système. Cessez d'attendre que le système vous aide. Cessez d'attendre un soutien financier de la part des autres, du gouvernement. Mais si vous pensez que les hommes et les femmes politiques sont votre salut, vous êtes fichu. C'est vous votre meilleur allié, votre meilleur ami pour 2020. Et vous devez compter sur vous. Vous êtes d'accord ou pas pour moi ? Avec moi, les prix à la consommation sont très importants. Ils augmentent de plus en plus. La vie est de plus en plus chère. La retraite baisse et elle va disparaître un jour ou l'autre, quoi qu'on en dise et quoi qu'on vous fasse croire. Mais vous devez compter sur vous maintenant, vous enrichir maintenant. Arrêtez de croire que c'est juste votre employeur qui doit vous payer une formation. Il s'agit de votre carrière, de votre vie. Bougez-vous. Si vous saviez ce que ça peut m'exalter dans mon mental de lire vos centaines de témoignages chaque jour. Tout à l'heure, j'ai demandé sur ma page Instagram qui acceptait que je sois leur mentor. Et vous avez été des centaines à accepter. Dis-moi, Franck, je veux que tu sois mon mentor. J'ai répondu personnellement pendant 2 heures, tout à l'heure. Tu ne peux pas me parler d'engagement. J'ai répondu personnellement tout à l'heure à chacune des personnes en leur disant « Si tu veux que je sois ton mentor, viens, je vais t'aider pendant 5 semaines dans le programme Starter. » Et j'ai répondu à chaque personne. C'est comme ça que je vois les médias sociaux, pas comme une star. Est-ce que je suis multimillionnaire? Oui. Est-ce que j'ai perdu mon cœur? Non. Est-ce que j'aide autant les gens? Beaucoup plus maintenant. Est-ce que je fais des séminaires qui changent la vie des gens, qui redonnent du courage à des gens? Oui. Donc vous voyez qu'on peut avoir de l'argent et être spirituel. On peut avoir de l'argent et aimer les gens. On peut avoir de l'argent et être en pleine santé. Je suis en pleine santé. On peut avoir de l'argent et avoir sa famille près de soi. On peut avoir de l'argent et faire le tour du monde. On peut avoir de l'argent et créer des emplois. Vous pouvez tout avoir. Mais qui vous a laissé à penser que c'était juste le mouvement de certaines personnes ou certains mouvements sociaux qui étaient la solution pour vous? La solution, c'est vous, tu l'as compris ça ou pas? C'est toi la solution de ta propre vie. N'attends pas que, moi chez moi au Canada c'est un premier ministre, mais n'attends pas que ton premier ministre il t'aide dans ta vie. Ou ici Donald Trump, même si l'économie américaine va très bien. Vous suivez comme moi les chiffres, Wall Street bat des records. Le CAC 40 en France est à plus de 6 000 points. Je veux dire, ça va très bien en ce moment. Mais attention, la contraction économique va revenir, je vous l'annonce. Je suis dans les bonnes sphères financières, croyez-moi. Moi, je suis prêt. Est-ce que vous êtes prêt ou prête aujourd'hui?
une prochaine contraction économique s'annonce. Elle sera plus profonde et plus longue. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Et si vous attendez que votre gouvernement vous sauve la vie, vous êtes mal parti. Parce qu'à la retraite, la plupart des gens ne vivent pas, ils survivent. Je vais vous faire un aveu et j'ai commencé à en parler hier dans un autre live. Mes deux parents, mon papa a 77 ans et ma maman a 80. Mon papa a 77 et maman a 80 ans. Comment vous dire? Heureusement que je suis là pour les aider. Ma maman a été à la fin de sa carrière entrepreneur à son compte, coiffeuse, et mon papa a perdu son travail à l'âge de 55 ans. Et tous les deux pensaient que l'argent, il ne fallait pas trop en parler, que ça ne servait à rien, vivre heureux, vivre caché, l'argent ne rend pas heureux, l'argent ne fait pas le bonheur, le gouvernement va nous aider, mais pas du tout. Si tu dois gagner de l'argent, c'est d'abord pour t'occuper de tes proches. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour tes proches. La plupart des gens qui te disent que l'argent, c'est pas important, tu dois entendre « j'ai abandonné ». Enfin, ouvrez les yeux quand même. Ouvrez les yeux. Quand tu entends quelqu'un qui te dit « l'argent n'est pas important », tu dois entendre « j'ai abandonné ». Et je vous l'ai dit, la première des choses pour laquelle vous devez vous renforcer, c'est pour aider vos proches et vous pour la sécurité, vos enfants qui grandissent et vos parents qui vieillissent et votre propre santé et votre sécurité pour l'avenir. Donc, vous avez vu que cette thématique de l'argent, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais est capitale parce que ce que je suis en train d'apporter aujourd'hui comme petite étincelle dans votre état d'esprit, c'est l'importance de renforcer votre psychologie. Et voilà pourquoi on a créé, il y a plusieurs années de cela, le programme Starter. Parce qu'en 5 semaines, je t'aide à faire cela. Je suis ton coach et ton mentor pendant 5 semaines. C'est très rapide, 5 semaines. J'ai pas dit 5 heures, 5 semaines. Et ce programme Starter t'aide chaque semaine avec des modules très simples, une 20aine de supports pédagogiques, une 20aine de vidéos. C'est très, très ludique, tu vas voir. Et tu as 3 mois pour les voir et les revoir. Mais ça change en 5 semaines ton état d'esprit. Donc, si c'est live, si ce que je vous dis vous met en appétit et vous fait prendre conscience de certaines choses, et peut-être pas, venez me rejoindre et investissez. Le Starter, c'est le prix d'un restaurant pour 2 personnes. C'est pas plus. Et vous pouvez le régler en 2 fois si vous voulez. Starter est accessible à tout le monde, à toutes les personnes qui pensent qu'il est temps maintenant de s'outiller pour l'avenir, pour se renforcer pour l'avenir. Vous avez besoin de méthodes. Donc, la première des choses, le premier pilier pour avoir un état d'esprit lié positif à l'argent, c'est soyez une éponge à argent. Vous comprenez? Ne rejetez pas les gens qui ont de l'argent. Est-ce que vous rejetez les gens qui sont pauvres? Bien sûr. Est-ce que, moi, j'ai vu un sondage en France, en Suisse, en Belgique et au Canada. C'est terrible d'être pauvre parce que vous avez la méprise des gens. Vous n'avez pas le respect des gens. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'es pas respecté. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'es même pas regardé. Et d'un autre côté, vous rejetez aussi les riches? Mais quitte à être méprisé, moi j'ai choisi mon camp. Quitte à être méprisé et jalousé, moi j'ai choisi mon camp. Vous comprenez? Et si vous êtes d'accord, dites-le, écrivez-le si vous êtes d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez de ce que je suis en train de vous dire? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire. Vous préférez être un pauvre méprisé par tout le monde ou un riche jalousé? À vous de choisir. C'est un problème de rejet malgré tout, mais c'est à vous de choisir la condition de vie que vous allez avoir, le style de vie cette année. Donc, c'est la première des choses, soyez une éponge à argent. La deuxième des choses, vous devez tous les jours, alors faites-le comme vous le pouvez. Une nouvelle fois, je vous l'ai dit, je crois qu'on offre un agenda 110 cette année en starter platine, mais chaque jour, faites en sorte d'écouter, de lire et de suivre des programmes qui sont positifs pour votre mental. Certains vont appeler ça des affirmations positives. Je dirais que faites en sorte tous les jours de vous entourer de positivité. Là, je vous ai parlé tout à l'heure de Wall Street ou du CAC 40, de la Bourse de Paris. Mais je passe pas mes journées à
à regarder les journaux nouvelles comme la classe moyenne, à regarder les mauvaises nouvelles, à lire les news, les faits divers. Je regarde pas ça. Je ne lis que des jeux. C'est pour ça que j'ai créé mon propre magazine, d'ailleurs. On a créé notre propre magazine. Et d'ailleurs, on l'ouvre aux annonceurs. Si vous avez une entreprise, vous pouvez être annonceur dans Franck Magazine. Si vous avez une entreprise et entrepreneur, vous pouvez être annonceur dans ce magazine. Mais voilà pourquoi j'ai créé ce magazine. Parce que je voulais que les gens lisent des choses positives. Et vous l'avez tout de suite, ça coûte 10 balles, hein. Vous l'avez tout de suite en téléchargement sur francmagazine.com. Mais voilà pourquoi j'ai créé ça. Parce que pour le deuxième point, on a besoin d'écouter et de lire des informations positives chaque jour. Et notamment liées à la réussite et à l'argent. Donc faites en sorte de ne pas écouter des gens qui vont vous saboter le moral. Écoutez-moi bien. Et vous allez me dire si vous êtes d'accord. Vous allez me dire si vous êtes d'accord, d'accord? 90% de vos sources de stress sont liées à un autre être humain qui vous a annoncé une mauvaise nouvelle, qui vous a jalousé, qui vous a fait du mal, qui a déclenché un stress. 90% de vos sources de stress, 90% de vos sources de stress ont été liées en 2019 à un autre être humain. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord, vous marquez un petit pouce, vous marquez d'accord, je suis d'accord. Notez-moi ça dans les commentaires pour voir si vous êtes d'accord avec moi. 90% de vos sources de stress qui vous empêchent de dormir, qui vous font ronger les ongles, qui vous empêchent de respirer dans la journée, sont liées à un autre être humain. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Dites-moi ce que vous en pensez. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Dites-moi vrai, 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 vrai. Notez-moi ça dans les commentaires. Vous êtes tous en direct en ce moment. Je vais vous réveiller un petit peu. Hop, 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 hop. Réveillez-vous, les gars. J'écoute, je suis endormi. Non, réveillez-vous. Marquez-moi dans les commentaires. Vrai, vrai, d'accord, vrai, d'accord, vrai, d'accord, comme vous voulez. Mais notez quelque chose dans les commentaires. Dites-moi, ça va vous réveiller. Voilà. Bon, vous êtes d'accord. Donc, le premier des points pour avoir un état d'esprit beaucoup plus positif lié à l'argent, on a détaillé tout à l'heure. Un, c'est devenir une éponge à argent et non pas un anti-aimant, comme les polarités identiques qui se repoussent. Mais la plupart des gens repoussent l'argent. Devenez un aimant à argent, devenez une éponge à argent, exactement. Deuxième des choses, faites en sorte tous les jours de lire des choses positives et d'écouter des choses positives ou de rencontrer des gens positifs. Troisième des choses, supprimez le langage négatif. Troisième des choses, faites tout votre possible pour supprimer le langage négatif. Le langage négatif est contagieux. Donc, si vous rencontrez des gens négatifs, vous allez forcément être victime vous aussi de cette même phraséologie, de la même rhétorique, de la même dialectique et de la même façon de penser au final. C'est-à-dire qu'au final, vous allez réellement croire tout ce qu'on vous dit. Regardez, quand je viens ici, là, on a fait un autre Facebook Live dernièrement et je vous ai montré, bon, j'aurais peut-être pas dû, mais je vous ai montré en vidéo un multimilliardaire qui vient souvent dans cet hôtel avec lequel j'ai eu le bonheur de discuter. Et il me dit quelque chose d'incroyable. Alors écoutez-moi bien. Évidemment, je ne vous donnerai pas le nom de cette personne que vous connaissez. Donc ce multimilliardaire, parce que son entreprise fait plus de 2 milliards de dollars américains de chiffre d'affaires, et peu importe dans quel domaine il est. Et il me dit ceci, je viens dans cet hôtel à peu près 6 mois par an. Je lui dis, I'm sorry, what did you tell me? Il me dit oui, je viens 6 mois par an dans cet hôtel. Je dis mais vous n'allez. Il me dit je ne voyage nulle part ailleurs. Je dis vous voyagez nulle part ailleurs? Il me dit non. Est-ce que je pourrais me permettre de vous demander pourquoi? Il m'a répondu ceci. Il m'a dit ici parce que c'est bon pour ma santé mentale d'être dans ce parc, d'être dans ce complexe hôtelier, chez Disney notamment. Parce que ici, je suis certain de la qualité du service que je vais avoir. Et parce que ici, j'ai une énergie positive et je peux toujours diriger mon entreprise de là où je suis en ce moment, de ma chambre. Il a une suite à l'année. Enfin, pour 6 mois, mais toujours la même. Et quand je rentre, en plus, dans mon entreprise,
où j'ai un directeur général qui la dirige, évidemment, comme tous les entrepreneurs. Et ça, je vais vous apprendre ça en juin prochain, comment faire exploser votre entreprise et même les auto-entrepreneurs. Je vous dirai comment faire. Et il me dit, quand je reviens, en plus, je suis positif, encore plus positif. Donc, d'éliminer les pensées négatives, comment vous devez vous y prendre? Comment éliminer les pensées négatives? Eh bien, là encore, tous les jours, vous avez plusieurs stratégies qui sont à votre disposition. Et là, le programme Starter va vous aider à éliminer les pensées négatives. Donc, si vous voulez éliminer les pensées négatives et si vous pensez que tout cela vous porte préjudice, eh bien, le programme Starter va vous aider à le faire. Une nouvelle fois, une fois que vous aurez écouté cette vidéo, allez sur programmestarter.com. Starter, c'est T-E-R à la fin. Programme Starter, tout attaché, .com. Et permettez-moi et faites-moi l'honneur d'être à vos côtés pendant 5 semaines pour vous aider. Parce que si cette année, vous voulez développer votre carrière, vos affaires, si vous êtes entrepreneur ou salarié, votre santé, votre énergie, votre vitalité, ce même feu sacré que j'ai tous les jours et je vous le démontre pas au juste aujourd'hui, mais toute l'année. Si vous voulez développer aussi vos finances personnelles ou professionnelles, parce que tout part de votre psychologie et vos relations, couple, rapport avec les autres, faites ce programme Starter. Vous allez adorer et je vous le garantis. Donc, la troisième des choses, moi, je vous propose le programme Starter, mais trouvez votre méthode pour le faire. Mais mettez un terme à la négativité ou en tout cas, réduisez la négativité. Une nouvelle fois, pour réduire la négativité, je vous invite à suivre cette formation qui s'appelle le programme Starter. Ça va extraordinairement transformer votre année, je peux vous le dire et je peux vous le garantir. Numéro 4, allez, c'est la dernière. Je voulais faire un Facebook et un YouTube live aujourd'hui, court, mais je suis bavard. Numéro 4. Quatrième des choses, j'espère que vous avez pris des notes. Trouvez un mentor, trouvez un coach. Un mentor ou un coach. Un mentor, c'est quelqu'un qui va vous montrer ce qu'il a fait et un coach va vous expliquer une méthode. Donc, je peux à la fois être à la fois votre mentor et votre coach. J'ai déjà obtenu les résultats que peut-être certains d'entre vous aimeraient avoir parce que mon style de vie, beaucoup de gens n'en veulent pas. Donc, tout dépend de ce que vous voulez et de ce qui vous inspire. Et puis, le coaching, c'est mon métier depuis 25 ans et j'ai toutes les méthodes pour vous amener à passer au niveau supérieur, donc la stratégie. Mais sans que ce soit moi, parce que peut-être que vous n'allez pas vous retrouver dans mon style de vie, dans mon énergie, dans mon accent, dans mes outils, dans ma façon de vous enseigner, ou peut-être que vous aimez pas du tout qui je suis, mais peu importe, trouvez votre mentor, trouvez un coach, mais ne restez pas seul cette année. Faites en sorte cette année de ne pas rester seul. Ça peut être par le biais du programme Starter, c'est ça le mentorat. C'est qu'avec 5 semaines, avec un investissement minuscule, je te l'ai dit, un prix de restaurant pour 2 personnes, avec un investissement minuscule, je peux aider des milliers de personnes chaque année, des dizaines de milliers de personnes chaque année dans ce programme, avec un coût minuscule grâce au web. Et pendant 5 semaines, tu peux réécouter les vidéos. Et puis, tu as 3 mois pour revoir le programme. Ça, c'est une façon de te mentorer, de te coacher, de t'aider. Mais c'est sûr que je ne peux rien faire pour toi si tu ne veux pas mettre plus d'efforts, plus de temps, consacrer plus de temps à ta formation et plus d'énergie aussi. Ça demande de l'énergie de se former et de l'argent un petit peu aussi. Mais c'est à vous de faire ce pas. Mais quoi qu'il en soit, le quatrième point, pour résoudre cette problématique liée à l'argent, vous avez besoin de temps en temps de faire un point et de trouver un mentor. Est-ce que ça peut être votre papa, votre maman? Est-ce que ça peut être votre frère, votre sœur? Un cousin, une cousine? Est-ce que ça peut être un audio, un livre, un programme en ligne? Trouvez votre façon. Moi, je vous propose des vidéos avec des supports pédagogiques en ligne interactifs parce que je trouve que c'est du temps gagné et c'est plus ludique. Et j'arrive à mieux vous apprendre avec des vidéos. Mais il y en a d'autres qui vont préférer lire une trentaine de livres, par exemple, au lieu de faire 5 semaines de vidéos où je résume 200 livres. Mais il y en a certains qui vont dire, je préfère lire des livres et forger ma propre méthode. Comme ça, dans 5-10 ans, j'aurai créé ma méthode. J'ai beaucoup de respect pour ça. Moi, je m'adresse plutôt à des gens qui sont un peu comme moi. Moi, j'ai des gamins qui sont là et ils n'ont pas beaucoup de temps, ça va vite. Et ils veulent apprendre en 5 semaines ce que j'ai mis 25 ans à apprendre. Ils veulent aller vite. Donc, c'est vrai que mes méthodes, que ce soit pour mes événements de 3 jours, d'un jour ou mes programmes en ligne, sont faits pour vous permettre d'accélérer l'apprentissage de façon ludique
Alors que souvent, je reconnais que ça demande plus de temps avec les vidéos, avec les livres et d'autres supports. Mais trouvez votre façon. Ça peut être aussi d'assister à une conférence, à une formation. Mais ne restez pas seul. Ne restez pas seul. D'accord? Et je peux vous dire que vous avez en général plusieurs solutions. Mais faites en sorte d'avancer et d'aller plus loin. D'accord? À Paris, alors je serai à Paris, je vous rappelle, en avril prochain pour le Weekend Spark. Le Weekend Spark, c'est avril prochain. Et je serai à Montréal fin mars. Le West de Montréal, c'est fin mars. Et le West de Paris, c'est mi-avril prochain pour le séminaire West qui dure 3 jours. Et vous avez un billet West, ça coûte, c'est un investissement de 2000 euros, 2000 dollars. Et le West, vous avez un billet offert dans le programme Starter cette année en platine. Alors, celles et ceux qui me connaissent savent que c'est un beau cadeau avec tous les bonus que l'on fait. Donc, vous avez compris le principe aujourd'hui? C'est vraiment, 1, garder un état d'esprit positif. Donc, devenez une éponge à argent. 2, identifier tout ce qui peut vous amener des informations positives. 3, faites en sorte de bannir votre langage négatif. Trouvez les méthodes qui vous conviennent le mieux. Et 4, c'est important aussi, c'est trouvez-vous le bon mentor, le bon coach qui a de l'expérience, de l'expertise et qui a déjà accompli ce que vous aimeriez vivre. Et puis ensuite, vous aurez plein de méthodes. Mais grâce à ces 4 points, vous allez identifier les formations, les livres, les apports, les programmes vidéo ou pas qui vont vous aider. Mais cette année, honnêtement, ne restez pas seul cette année. Ne restez pas seul. La plupart d'entre vous, vous mettez plus d'argent dans des appareils électroniques, dans de la nourriture au restaurant, du divertissement ou des vêtements, alors que vous en avez déjà beaucoup, que dans une aide et un conseil et une formation. C'est une erreur. C'est une erreur. Et je peux vous dire que si vous suivez ces quelques exemples, cette année, vous allez vivre une année extraordinaire. Dès maintenant, les amis, laissez-moi vous accompagner. Laissez-moi être votre coach, votre mentor pour celles et ceux qui le souhaitent. Et je suis avec vous pendant 5 semaines. C'est un programme, c'est une formation en ligne. Ça s'appelle le programme Starter. Allez dès maintenant sur programmestarter.com ou cliquez sur le lien programmestarter.com. Choisissez le membership qui vous convient le mieux, l'expérience et la formation, la forme de formation qui vous convient le mieux. Starter, c'est surtout les memberships. Et puis, vous prenez le membership qui vous convient le mieux en platine. C'est sûr que vous aurez un billet gratuit pour assister en personne. On aura le bonheur de se rencontrer au Weekend Spark. Le Weekend Spark, c'est du 17 au 19 avril prochain à Paris et du 27 au 29 mars prochain à Montréal. West, c'est des milliers de participants pendant 3 jours. C'est une formation unique pour changer de vie. Et le billet pour West est gratuit si vous prenez Starter Platine. C'est un beau cadeau cette année. Voilà, donc allez sur programmestarter.com dès maintenant et commencez l'aventure. Et permettez-moi de vous rejoindre maintenant chez vous en vidéo pendant 5 semaines. Et chaque semaine, vous allez avoir un module. Le module 1, première semaine. Le module 2, deuxième semaine. Le module 3, troisième semaine. Et c'est uniquement en ce moment. Starter, c'est fermé le reste de l'année. Les inscriptions, c'est juste maintenant. Et j'espère que vous ferez partie des dizaines de milliers d'étudiants à nous rejoindre, vous aussi, une nouvelle fois cette année, pour vivre la plus riche des années. Je n'ai pas dit la plus belle, mais la plus riche des années. Belle soirée. Et puis à tout de suite dans le programme Starter.